monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler cheveux, ce qui explique que je ne suis pas coiffée actuellement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous me connaissez en vrai, vous savez que j'ai pas de préférence entre les cheveux lisses et les cheveux bouclés. Donc, j'ai dû développer quelques techniques pour me boucler les cheveux sans chaleur, sachant que je les lisse très souvent et que mes cheveux sont vachement abîmés. Donc aujourd'hui, on va parler de boucles et plus précisément de boucles sans chaleur. J'ai vu cette astuce sur une chaîne américaine, je sais pas s'il y a des vidéos françaises, honnêtement j'ai pas regardé, mais après la demande de pas mal d'amis, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer enfin comment est-ce que je fais mes boucles sans chaleur. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va faire des boucles avec des chaussettes. Pour faire des boucles avec des chaussettes et donc sans chaleur, vous aurez besoin d'un peigne, d'une brosse, d'une grosse pince, d'un chouchou et de deux élastiques, d'une huile sèche pour les cheveux et enfin d'un peu d'eau. La première étape sera d'humidifier un peu vos cheveux, donc pas trop, plus vous les mouillez, plus ça va être long à prendre, mais juste humidifiez-les un tout petit peu et ça ira. Après avoir humidifié vos cheveux, vous allez tout simplement venir les brosser. Voilà. Ensuite, c'est une étape qui est facultative, mais moi je vais appliquer une huile sèche sur mes pointes. J'applique une pompe. Voilà. Une fois cette étape terminée, vous allez séparer vos cheveux en deux parties. Donc moi, en l'occurrence, c'est fait. Vous faites ça avec votre peigne et ça fera très bien l'affaire. Ensuite, vous allez prendre votre chouchou et vous allez attacher donc la moitié de vos cheveux avec le chouchou. Comme ceci. Histoire de faire une petite queue. Voilà. Ensuite, munissez-vous de la fameuse chaussette et d'une petite pince. Donc là, c'est vraiment l'étape à ne pas rater parce que sinon vos boucles ne seront pas jolies. Donc je vais tout simplement venir accrocher donc le haut de ma chaussette sur le côté que j'ai attaché, histoire que la chaussette tienne bien. Ensuite, je vais prendre ma chaussette et je vais tourner mes cheveux autour, comme ceci. Hop, et à chaque fois, je vais reprendre une mèche. Hop. Comme pour faire une torsade. Sauf qu'ici, donc la première mèche de votre torsade, ce sera donc vos cheveux. Et la deuxième, ce sera la chaussette. Donc je reprends des mèches à chaque fois. Et j'enroule mes cheveux comme ceci autour. Une fois cette étape terminée, vous allez prendre un élastique et accrocher donc le bout de vos cheveux sur la chaussette. Ensuite, vous allez venir décrocher votre petite pince et venir faire un nœud avec les deux extrémités de la chaussette. Ensuite, vous allez répéter cette étape de l'autre côté. Une fois vos deux chaussettes appliquées, donc je vous conseille d'attendre toute la nuit, donc de faire ça le soir et de retirer les chaussettes le matin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve après une bonne nuit de sommeil. Donc j'ai toujours les chaussettes sur la tête et on va tout de suite les retirer. Hop. Et ensuite je vais juste tirer sur ma chaussette. Hop. Ensuite je vais passer mes doigts et vous verrez les boucles. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ce que je fais moi en général, c'est que je mets tous mes cheveux comme ça d'un côté. Et vous voyez vraiment l'ampleur des boucles. Donc ça fait vraiment de très très jolies boucles. Et c'est vraiment facile à faire. Donc voilà pour le résultat de mes boucles sans chaleur et avec des chaussettes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous testerez cette petite astuce. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire si vous avez testé l'astuce et que vous avez aimé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!